Moi-même, c'est Déronette Goubs. Moi, non familial, c'est Déronette, prénom, c'est Déus. Moi, fait nos localité qui est les Lumières, la section Fonjean-Noël, commune Marigot, qui est commune Marigot, c'est une commune qui vivent de pêche, d'agriculture et de commerce. Et moi-même, c'est petite, yon ancien militaire, qui c'est ailleurs, et maman, qui est déjà Déronette, et maman, c'est Marc Noël, c'est un dame même qui fait agriculture et qui sait tout rien aussi, avec commerce. Moi-même, qui ça me fait? Moi, j'ai l'école Marigot, moi, j'ai l'école, je fais primaire, moi, dans le collège mix de Fonjean-Noël. Moi, j'étais dans le lycée, moi, passé dans le lycée Henri-Christophe de Marigot, je fais 6e jusqu'à 9e année fondamentale. Et moi, venir rentrer votre Port-au-Prince, j'étais dans le lycée national de Pétionville, où j'ai fait tout le monde. Et tout de suite après, moi, j'ai commencé, ce qui me serait meilleur, c'est l'économie, dans l'université américaine de Sistema de l'Haïti, où j'ai étudié là. Et tout de suite après, j'ai participé dans un concours d'entrée ENAF, ENAF, École nationale d'administration financière, j'ai diplômé de l'ENAF, spécialisé en fiscalité. Et ma carrière commence à DGI, j'ai passé plusieurs postes jusqu'à directeur départemental du Sud-Est de la DGI. Et de là, j'ai quitté la fonction ça pour aller à l'élection. Mais entre temps, j'ai fait l'autre étude spécialisée, notamment l'étudier pour maîtrise à l'Université des Antilles de la Guyane en entreprise et marché, pour un master de recherche en administration publique et gestion des collectivités territoriales à UAG encore. Et là, moi, j'ai écrit une thèse doctorale sur l'économie, une thèse là, sur le vaudou et le développement. Je veux voir quelles sont les implications culturelles, l'implication du vaudou dans la question du développement. Est-ce que les questions culturelles facilitent le développement en Haïti ou est-ce que les traits caractéristiques du vaudou empêchent le développement d'Haïti? Et ensuite, je suis professeur à l'université. J'essaie dans plusieurs universités. Et dans les UPR, notamment à Jacmel, nous mettons la filière de gouvernance des collectivités territoriales que nous dirigeons, qui répond à un besoin pressant en matière de gouvernance des collectivités territoriales pour la question de décentralisation. Et ensuite, nous sommes députés de la 50e législature, vice-président tout à tour de un bloc. Nous sommes monde qui fait partie des dernières fois où le député qui arrive en retard, nous faisons un an de mandat. Nous sommes vice-président du groupe des parlementaires pour la stabilité, GPS. Nous passons à vice-président et une commission, alors membre de la commission de finances pour l'exercice 2017-2018 et président de la commission intérieure et des collectivités territoriales. Et maintenant, je suis là. Et je suis parmi ces députés de la minorité qui, en premier temps, de faire partie du groupe 16, en deuxième temps, de faire partie 14 députés qui mettaient en accusation de la République. Donc, c'est un honneur et c'est un plaisir de vous servir mon pays.